Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto. Je ne vais pas vous dire du tout ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va utiliser du papier noir. Donc là, ça vient de chez Wibra, c'est du 220 grammes. Donc on va utiliser ce papier-là. Désolé du bruit, mais je l'ouvre. Et je vais utiliser un petit gabarit comme ceci qui vient de chez Nos. Ok, un petit moment maintenant que je l'ai. Voilà. Là, je sais pas du tout. Là, il y a 20 feuilles. Normalement, si je l'ai pas, je vais entre deux. On va faire un petit gabarit. Il y a une mouchette qui m'embête. Voilà. Donc, je ne vais pas m'occuper du tout des trous. C'était juste la forme qui me plaisait bien. Donc, je vais venir faire un petit gabarit. Hein. Et après, faudra tout découper. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est un gabarit, enfin c'est pas normalement un gabarit. Il était vendu en avec plusieurs choses, mais j'ai pas les autres, donc je peux pas vous montrer. Voilà. Si je fais pas ça, ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc pour l'instant, ça nous fait ceci. Bien évidemment, je vais pas tout faire avec vous. Hein. Il me faut un ciseau. Dans le temps, j'en avais un. Aïe, mes doigts. Il y a de la colle. C'est à nettoyer. Ah. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais déjà utiliser ceci pour m'aider quand même. Oui, tant qu'à faire. Hein. Tac. Voilà. Donc ça, on garde sur le côté. Et je suis bien tombée. Et là, on va découper. Enfin, donc la forme, vous pouvez le faire comme vous le sentez. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire cette forme-là. Hein, c'est parce que j'ai envie de faire cette forme-là pour la création. Hein, vous verrez à la fin. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour faire la création. Là, je pars pas à l'aveugle, mais presque. Donc, à mon avis, je vais utiliser une vingtaine de feuilles. Et on utilisera les petites chutes qui nous laissent par les petits morceaux, les micro-chutes. Hein. Ça va directement à la poubelle. Si les découpes sont pas identiques, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc ça vous fait ceci pour l'instant. Je vais relever mes manches. J'avais pas chaud, donc j'ai mis mon petit peignoir. Voilà. Donc, on va d'abord prendre nos feuilles. Ça, je le mets de côté. Et je prends mon petit gabarit. Après, si vous préférez, vous êtes déjà sur la base plate, vous venez découper comme ça. Hein. Comme ça, ça vous fait une découpe en moins à faire. Voilà. Je sais pas si je peux en mettre deux. Non, deux, c'est pas possible. Donc je vais faire ça sur les 20 feuilles. Hein. Donc voilà, hein. Voilà.
je me place correctement sur mon bord. Je suis vraiment les petites marques. Voilà. J'ai aussi un tuto à vous faire, mais c'est avec des dailles que j'ai et que bah, tout le monde n'a pas. Donc bah, je me suis dit que j'allais pas le faire comme ça, sans un gabarit. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Là, c'est parce que j'avais ce morceau de carton qui traînait et que je ne savais pas trop quoi faire. Donc, voilà. Donc, bah, vous faites ça. Je vais peut-être le centrer quand même. Après, vous, si vous n'avez pas de papier noir, vous pouvez prendre du papier blanc. Hein. Parce que j'ai utilisé du papier noir que vous devez utiliser absolument le papier noir. Hein. Je le fais parce que... Voilà, après ça, c'est mon choix. Si vous voulez prendre que du papier blanc, prenez ce que vous avez. N'allez pas faire de frais supplémentaires pour un... faire exactement ce que moi j'ai envie de faire. Enfin, pour l'instant je vais à l'aveugle, donc je vous dis pas du tout, c'est pour ça que je ne vous dis pas du tout ce que ça peut être. Je peux changer en cours de route d'idée, donc bon. Je vais le mettre dans ce sens là. Demain, je vais essayer d'aller chercher mon deuxième petit pot à Action pour ranger mes embouts, enfin mes petits doigts là, parce que j'aimerais récupérer mon panier et que je trouve que ça fait quand même plus beau. Comme ça, je vais pouvoir finir de ranger un petit peu ici. Et après, j'irai travailler. Hein. Et bon, vous verrez cette vidéo. À mon avis, j'aurais déjà été chercher le petit pot. Quand même. Et vous inquiétez pas, il y aura quasi pas de chute vu que bah, mon idée au fur et à mesure que je trace se dessine dans ma tête. Donc c'est ce que je voulais. Que ça se... que je vois en fait mon final. Normalement, il y aura la décoration qui va aller avec. Parce que d'habitude, je vous fais un projet et il n'y a pas la déco. Là, normalement, il y aura la déco. Vu que... j'ai sorti peut-être des petites choses. Mais seulement pour... à mon avis... je vous en dis pas plus parce que je vais vous vendre la mèche du... Vous verrez au fur et à mesure. À mon avis, ça sera fait en plusieurs vidéos. Du coup, je le fais vraiment
avec vous. Hein. Alors, peut-être pas les découpes, je vais peut-être pas faire tout avec vous en vidéo. Hein. Là, je fais déjà tout le dessin. En même temps, vous voyez, hein. Bon, ça va assez vite. Hein. Je vais peut-être vous faire, je vais faire quelque chose. Je vais vous le mettre comme ça en écran, un petit peu. Voilà, vous faites une capture d'écran, vous prenez, et voilà, vous avez le gabarit. Après, vous pouvez faire en carré. Hein. Bon, moi, là, je m'aide un petit peu en faisant ça tout le temps, parce que sinon... Voilà. Tac. Et la oui, c'est la dernière. La dernière. Voilà. Donc mon petit gabarit. Pour l'instant, j'en ai plus. D'accord. Alors, avant de bon, normalement j'ai pas voilà, donc si j'ai bien calculé, je mets mon papier en truc, je coupe et ça vous fait environ 15,2 cm de large. Voilà. Donc je vais découper tout le papier. Normalement, si j'ai bien calculé, hein. Ça se peut que... Si je prends la feuille que je dois pas prendre dans mes papiers, ça va pas. Et je fais ça vraiment sur tous mes papiers. Vous voyez, je pose, je plie, je coupe. J'ai pas besoin de tenir correctement ma feuille, sachant qu'elle est calée quand même bien avec le pliloir, hein. Enfin le massico dans un angle. Donc, normalement, il n'y a pas de danger que je coupe un morceau qu'il ne faut pas, par exemple. Bon. Je vais mettre ça sur le côté. J'irai peut-être un petit peu mieux. Hop. Je prends mon... Voilà. Là, j'allais me tromper. Mon dessin est en haut et pas en bas. Donc là, j'aurais fait une bêtise, ça c'est sûr. Quand même rapide à faire au début. Après, le plus long, ça sera de faire bien évidemment la découpe, hein. Mais je vais changer de ciseau parce que celui-là je n'aime pas du tout. Je vais essayer de trouver un autre. Pas plus petit, ça m'arrangerait. Tant pis, je vais prendre celui-ci si j'arrive à l'attraper. C'est le ciseau normalement spécial couture qui vient de chez Action.
Mais même celui-ci, je pense qu'il y a de la colle. Ben non, il n'y a pas de colle. Donc je prends celui-là plutôt. Est-ce que je préfère? Voilà. Après, c'est mon choix. J'ai fait une bêtise. Ah, dedans. Et voilà. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop. Et j'utilise toujours. Pourtant, j'ai le mon nouveau piloir qui vient de Vasen Créatif que j'avais acheté l'année dernière au salon créatif à Gosny. Mais bah, tant que celui-là il fonctionne, et encore l'autre fois j'ai utilisé l'autre, donc ça dépend. En fait, c'est le premier qui me vient sous la main quand je bricole. Hop. Voilà. Donc, pour l'instant, je remets bien mes genoux. J'ai... Ah bah, attendez, j'ai oublié de ramasser quelque chose tout à l'heure. Et je viens de le voir. Les stress. Donc là, pareil. Bon, là, je vais faire vraiment hors caméra parce que je pense pas le faire avec vous, mes petites découpes, hein, quand même. Parce que je pense que ça va prendre du temps. Et hop. Si on voit les... Ah. Le crayon de bois, c'est pas grave. On gommera. S'il faut, hein. Bon, personnellement, moi là j'ai du mal à voir mon fond de bois. Pourtant, j'ai mis les piottes. Voilà. Donc, je vais peut-être allumer celle-ci et intensifier un petit peu la lumière d'ici. Voilà. Parce que je vois vraiment pas. Là, je vois un petit peu mieux, on va dire. Donc, si j'éteins celle-ci, ouais, c'est pareil. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop ébloui par la luminosité. Mais j'ai dû augmenter l'intensité de la lumière. Donc, voilà. J'espère que, bah, on va dire que c'est un petit projet. Voilà, ça, bien sympatoche. Il pourra peut-être faire même son effet si j'ai réussi à faire ce que je fais, ce que je veux faire. Il est même pas drôle, ce machin. Voilà. Donc bah, moi je vais découper mes 17 pages restantes, hein, hors vidéo. Voyez, la toute première, on voit que j'avais pas découpé à fleurs. Elle dépasse un petit peu. Voilà. De temps en temps, je regarde et c'est à peu près la même taille. Donc, je vais découper tout ça hors vidéo et je reviens. Voilà, j'ai découpé tout. Mes petites feuilles. Là, je regarde parce qu'il y avait deux petites choses qui n'allaient pas. Voilà. À la fin, j'ai terminé avec mon ciseau pince parce que celui-ci me faisait énormément mal à ma main. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, bah, on a 20 feuilles comme ceci. Hein.
Et on a toujours nos feuilles ici, que bien évidemment je n'ai pas jetées, vu qu'ils sont presque entières, on va s'en servir. Donc on prend la première feuille, donc sur les 20, hein. Donc, la première. Et on va venir coller. Le découper plutôt. On va faire ça plutôt. Découper. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Voilà. Ça, je le mets là. Ça, je vais le mettre. Alors, nos feuilles mesurent normalement 21 cm. Et là, j'aimerais couper. Pour l'instant, voilà. On va plutôt peut-être faire comme ça. Hop, et ma petite latte, elle est là. On va découper 13 cm sur la longueur. Donc, on va venir découper comme ceci. Donc, on garde. Je ne sais même pas combien il fait ça. On va faire 14 cm. Venir découper 14 cm sur la longueur et ici 13 cm. Donc 13. Alors, je vais vous le noter sur un petit morceau de papier. Donc 13 fois 14 cm. Et ça, je vais en faire. Il y a 20 feuilles, je vais en faire 5. Voilà. Donc 5 feuilles de 13 sur 14. OK? Donc 14. Sur 13. Là, on est à 3. Une. Je vérifie. 2 et 3. On est d'accord, hein? Je suis bien à 3. Voilà. Tac. Et voilà, donc on a 5 morceaux de 13, je vais le noter dessus, 13 fois 14 cm fois 5, voilà. Donc ici, je vais regarder combien ça mesure, 14 cm sur, même, on va dire un petit peu moins de 8, donc, un petit peu de moins de 8. Donc on va faire 7 cm pour celui-ci. Donc ça fera 7 fois 14 cm. Et il m'en faut 5 aussi. D'accord? Donc en fait, on récupère nos chutes qu'on a fait juste avant. Voilà. Donc 7 cm. Vous voyez, on n'en perd pas. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, là, on a déjà ceci. Ensuite, on reprend une feuille. On vient découper à 14 cm. Toujours. Voilà, hein. Et on va venir, ça fait combien ici? Bah tiens.
J'ai fait 13, j'ai fait 7. On va faire sur 10 cm. Donc, 10 fois 14 cm. Et là, il m'en faut 5 aussi. Voilà. Vous voyez? Donc là, je vais voir si j'ai 10 cm encore. Oui. Donc, c'est encore mieux. Donc, on va utiliser. Il y aura une ou deux chutes. Mais c'est pas très. Donc, 14, je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Sur 10. Et sur 10. Donc là, ça m'en fait 4. Et là, on va venir découper pareil mon 14. Et sur 10. Voilà, donc j'ai mis 5 feuilles. On reprend une feuille, celle-ci on la garde. Voilà. Donc, 14. Sur 5. Centimètres. Donc 5 fois 14 centimètres fois 5. Donc en tout, quand on additionne chaque fois 5 plus 5 plus 5 plus 5, on va en avoir quand même pas mal. Donc 5 5 je mets de côté et je prends celui-ci. Oups. Je vérifie que j'ai bien 14 cm. Oui, voilà. Et c'est sur 5 cm. Voilà. Donc là, j'en ai 5. Voilà. Celle-ci, je la mets de côté. Donc, tout ça, pas besoin. Non, moi je ne garde pas mes micro-chutes. J'en ai assez, je pense. Donc, on se retrouve avec 5 papiers de 5 x 14 cm. 5 de 10 x 14. 7, 5 de 7 x 14 cm. Et 5 de 13 x 14 cm. Donc jusque là, c'est facile. Voilà. Ensuite, pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de papier de décoration. Rien. Non, j'ai pas encore pris le temps de regarder ce que j'allais utiliser comme papier. Je n'ai même rien sous mon bureau. Maintenant, parce que tout est ici. Donc, je vais peut-être regarder quand même hein, dans mes blocs. Oui, pas tant qu'à faire. Non. Non, là, c'est un petit peu opaque. Est-ce que je prends un Luxe Paper? Ouais. On va prendre celui-ci et pour aller avec, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a derrière et je verrai bien celui-ci. Voilà. Donc, on va faire deux en un. Je suis en train de tout faire tomber et ça ne va pas m'énerver longtemps. Voilà. J'arriverai pas à le remettre, donc je mets sur le côté pour l'instant. Alors, pour l'instant,
on va utiliser ces deux blocs. Oups. Ça va être coton, c'est pour faire les découpes de l'autre. Mais c'est pas grave. Donc là, on a 8 feuilles. Donc on n'en a que 8. Il y a celle-ci, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Sachant que je ne vais pas pouvoir utiliser beaucoup. Et ensuite, on a des die cuts. 8, bon, allez, on va dire celle-ci, ça fait 8 plus 6 fois. 6, 11, 19. Ça devrait être. On va se débrouiller avec ça. Oui. Donc vous savez maintenant. Pas encore, je ne vous l'ai pas encore dit ce qu'on allait faire. Je vais prendre une pochette. Je range tout de suite mes blocs que je ne me sers pas parce que sinon ça va traîner sur mon bureau. Voilà. Hop, dégage. Hop. Ça, c'est les pochettes qui viennent de chez Action. Et personnellement, je les. Je les aime bien. Voilà. C'est tout. Hop. Et on range là. Et ça, je le mets sur le côté. Donc, on va venir des. Ah non, celui-là, je l'ai dû utiliser au fait. Ce bloc-là. Bah oui. Donc, bah, on va pas utiliser celui-ci. Je viens de me tromper. On va utiliser l'autre. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé pour une autre création. C'est pas très grave. Donc, ben, on va utiliser celui-ci pour ça. Wow, ça suit un petit peu, mais pas trop. Là, c'est plus automnal. Hein. Et ce bloc-là, est-ce qu'il pourrait m'aider? Je regarde les deux, non, et quand je regarde ceux-là, non plus. Bon, attendez, je reviens. Voilà, donc j'ai été chercher celui-ci qui date de je sais pas quand. Voilà. Donc, on va tirer les papiers. Après, si vous avez des papiers comme ça en plus, ça va aussi. Donc je calcule un petit peu mes papiers en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a 9 papiers dans ce magnifique bloc qu'on a avec nous. Ensuite, ben, je vais dépioter celui-ci. Voilà. Et j'ai envie d'utiliser en fait tout ce que j'ai d'abord. Avant de racheter, je parle de chez Action. Hein. Parce que vous allez sûrement voir bientôt un haul. Donc voilà. Donc c'est ce bloc-ci. Donc pour l'instant, les die cuts, j'en ai pas besoin. Voilà. Et je vais prendre les papiers qu'il y a dedans. Voilà. Et donc tout ça, j'en ai pas besoin. Pour l'instant. Là. Là, c'est recto verso. Donc il va falloir que je choisisse. Voilà, et pareil pour ça. Voilà. Alors, on va mettre de côté nos fameux papiers ici. Hein. On les met de côté et je vais venir voir. Pour... Là, personnellement, je vais pas refaire les découpes. Hein. Je vais faire un rectangle
qui mesure? Rat. Je vais vous prendre un papier pour vous noter les dimensions. Mon crayon, il est où? Il est parti. Ça fera 13,5. Mais attendez. Parce que j'ai fait 14. Non, bon, on va faire 14 aussi. 14 fois au plus bas. Bon, j'ai pas de réglasse longue. Oups. Donc, il vous faudra 40 papiers de 14 fois 18 cm. Non, je vais quand même vérifier. Donc, 40, je ne sais même pas si j'en aurai assez. Au pire, je prendrai des feuilles en plus d'autres blocs que j'ai. Donc, vu que... Ah, j'allais en prendre deux. Déjà, j'allais me tromper. Je vous ai dit combien? 18. Faites attention au sens de vos papiers aussi, bien évidemment. Donc, 18. Non. 14. Attendez. Non, c'est comme ça. 18. 18. Ça, je le garde sur 14. Bien évidemment, je garde mes chutes. Hein. Donc, ça va vous faire ceci. Après, si vous ne voulez pas faire comme ça, vous faites autre, vous refaites les motifs. Hein. Voilà. Tac. Comme ça. Vous voyez? Donc, je vais mettre un. Ici, personnellement, les petits chats, m'en font un petit peu. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, petit chat. Hein. Après, ça fait Noël. Mais c'est pas. Je vous ai dit 14. Hein. Là. 2. Celui-ci, ça sera pour le de, la devanture, hein, je pense. Donc, j'espère que ça fait 4, ça fait pas 14, mais on va découper un petit peu. On va tricher, en fait. On va découper un petit peu ici. On retourne. Je vais venir mettre 14. Voilà. Hop. 18. On va venir découper un petit peu en bas. On triche, en fait. C'est comme ça, ça s'arrange toujours, et voilà. Donc, hein, ici, je vais prendre, j'aime pas trop le Vichy, donc ça sera 18 cm. Pour l'instant, mes chutes là, je les garde, hein, mes micro-chutes en papier comme ça. Bien souvent, je les garde et je vous montrerai ce que je fais avec. Voilà. Ici, les petites maisons, il m'a l'air bien sapatoche. Voilà. Sur 18. Voilà. Là, il y a encore des chats. Il y a encore des chats. Je vous ai dit que j'étais pas. Voilà. Hein. Les chats, c'est beau, mais pas ça. Hein. Bon, au pire, je peux toujours en mettre, mais là il y en a quand même pas mal, hein. Donc on va faire 18. Voilà, pour l'instant on a 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. 7. Si on a 20 feuilles, ça m'arrangerait. Mais bon. Donc, on va faire 18. Sur 14. Pour l'instant, je choisis en même temps mes papiers. Donc, vous voyez, je le fais avec vous. Bon, celui-là, il me paraît bien. Et je mets de côté directement quand je coupe. Comme ça, je sais ce que j'ai en plus. Voilà. Oups. Là, c'est du bleu. On va utiliser un petit peu de bleu. Hein. Du vert d'eau, on dirait. Celui-ci est magnifique, j'aime bien. Ah bah là, c'est que des papiers recto. J'ai pas trop. Voilà, hein. On n'a pas trop le choix. Voilà. Donc, n'oubliez pas dans le sens de vos papiers. Là, j'aurais pu choisir. J'aurais su que j'allais prendre ces blocs-là. Ben, j'aurais pris autrement mes papiers, hein, bien évidemment. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Voilà. Ça, ça va nous servir. Je mets de côté comme ça. Voilà. J'essaie de regarder un petit peu ce que j'ai comme papier encore aussi. Ils sont là-haut. Les autres papiers. Bah alors, vu que c'est uni, je vais essayer de faire comme ceci. Et comme ça. Voilà. Comme ça, ça nous fait deux papiers en un. Voilà. Quand c'est uni, on peut se permettre de faire deux feuilles. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de sens, donc c'est encore mieux. Voilà. Comme celui-ci. Je vais faire tout de suite 14 cm, comme ça j'ai une bonne longueur. Non, c'est 18 cm. 18 cm, hops, sur 14 cm. Voilà. Et deux. Vous voyez, ça nous fait déjà deux feuilles. Quand on peut, c'est mieux. Là, on ne peut pas. Donc, quand on peut pas, on peut pas. Hein. Je vous dis, je ne sais pas du tout encore. Donc, dans quoi je me lance, mais ça va être un petit peu j'espère que ce sera joli. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai changé ma lame il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, ça va, elle coupe bien. Là, je vous éblouis un petit peu avec mon papier. J'en suis désolée. Donc là, il y en aura deux aussi. Hein, vu qu'il n'y a pas de sens. Voilà. Hop. Là, il y a un sens. Dans tous les cas, je ne peux pas récupérer. Pas tout récupérer. Voilà. Et
Voilà. Donc. Je prends mon ventre. Je pense pas que j'ai. J'ai été chercher ce bloc-ci de chez Action qui date de 2021. Voilà. Donc, oui, c'est 2021. Ouais. Donc, si au cas où j'ai pas assez de feuilles, je sais que j'ai ce petit bloc-là qui va bien me servir. Voilà. Donc, là, je vais regarder les feuilles, combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. 24. Donc il m'en manque quelques-uns. Donc bah, on va prendre dans ce bloc-ci, pas beaucoup de feuilles hein, non plus. C'est pas le but. Donc, ça, on va peut-être s'en servir. C'est joli ça, les cases. Donc celui-ci, cette page-ci, vu qu'il y a du vert, ah bah, on va en profiter. Non, marron. Celle-ci, elle est très douce. Donc je vais pouvoir m'en servir. Non, trop pailleté, je veux pas de paillettes non plus. Ça, ils avaient déjà sorti des blocs avec ça. Voilà. Pour l'instant, ça, j'ai pas besoin. Ça, j'en veux pas. Là, je suis en train de le. De regarder un petit peu ce que je vais pouvoir me servir seulement. Oh. Oui, ça pourrait servir toujours. Donc je dépiote. Je le fais vraiment avec vous. Je vous dis, je pars dedans. Là, je suis. Non, je veux pas tout ce qui est en paillettes. Donc ça va aller assez vite à gérer. On va dire. Celle-ci, c'est facile à utiliser aussi. J'enlève vraiment pour avoir tout. L'avantage de l'année dernière, c'est que on pouvait découper encore les cases. Cette année, enfin l'année dernière, il y a déjà 2 ans. Celle-ci, j'en veux pas. C'est trop de reflets. Celle-ci, ça suit. Hein. Voilà. Et celle-ci. Hop. Voilà. Donc, le reste, je n'en veux pas, mais je m'en servirai autrement. Donc je mets ça là-bas. Donc je mets sur le côté ici et je vais venir découper là une bande de je ne sais plus combien. Heureusement je l'ai noté. 4, 18 cm. Donc, 18. Là il n'y a pas de sens, donc ça va. Et je vais en découper 2. J'ai bougé, donc ça y est. Sur 14. Alors, une. Et 2. Et s'il faut, je rajouterai des pages. Il n'y a aucun souci. Donc, ensuite, ici. Vu que je veux dans ce sens-là. Je prends le plioir à la place de la découpe, ça va pas le faire. Ça, c'est sûr. Hop, ça. Voilà. Voilà. Donc, bah, en
quelques blocs, bah, on peut faire quand même un bout, quelque chose de beau. Bah, c'est un bon projet, donc je pense que je vais le faire en plusieurs parties. Hein. Comme ça, bah, vous aurez plusieurs petites vidéos, enfin petites, grandes vidéos. Là, c'est vraiment bah, le BA, la base, mais vous savez toujours pas ce qu'on fait. J'ai pas envie de vous le dire, pas encore. Vous le saurez, vous le verrez, il n'y a aucun souci. Et vous remarquez que je ne compte pas mes pages. Parce que je me... Ah. Je vais sûrement en rajouter. Donc, voilà. Hein. Je vous dirai de toute façon si j'en ai rajouté. Je regarde un petit peu mes modèles quand même. Je vais mettre un petit peu de vert quand même. J'allais me tromper. Voilà. Je regarde quand même le temps. On va pas faire une vidéo non plus trop longue parce que je sais que il n'y en a pas beaucoup qui regardent sinon. Voilà. On met une feuille comme ça. Donc pareil. Là, il n'y a pas de, sens, donc voilà. Vu qu'on a encore du papier noir, on va pouvoir sûrement rajouter peut-être 4 feuilles, pourquoi pas. Voilà. Bon, là il en reste 3 pour l'instant, je les prends pas parce que je sais pas combien je suis partie dans mes feuilles, dans mes découpes, donc voilà. Donc ça on met de côté. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là il y en a 10. Là, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Voilà. Et là, normalement, il doit m'en foutre. Il doit en avoir 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À 2, une feuille près, j'étais bon. Mais c'est pas grave, sachant qu'il m'en faut encore 2. Que j'ai oublié quelque chose, je regarde mon motif, celui-ci me plaît bien, il m'en faut encore 2, ça c'est sûr, parce que j'ai oublié quelque chose. Donc il y aura 22 pages, d'accord, on est d'accord jusque là. Hop, ça je peux le fermer, merci. Donc il y aura 22 pages et on va voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Et hop. Là. Donc en chute. Chute. En grande chute, on va dire. Hein, parce que c'est quand même des bonnes chutes.
on a ceci. Je prends les bonnes chutes hein, pour l'instant. Voilà. Et après, on a les petites chutes ici. Voilà. Que je mets de côté. Voilà. Tout ça, on ne jette pas parce qu'il y a ce qui va aller avec. Voilà. Je vais récupérer deux feuilles. Je ne vais pas utiliser un nouveau paquet. Je vais prendre directement dans ce bloc-ci, noir. C'est à peu près le même. Donc, il me faut deux pages en plus. Hein. Voilà. Hop. Et hop. Donc, je sais que ça sera là-dedans. Voilà. Ça, je mets de côté. Je reprends mon petit gabarit. Oups. Là, je viens faire tout de suite ceci. Voilà, ça faut pas que je les perds. Je reprends mon massico. Bon, là, il y avait deux feuilles, je vous le dis. Voilà. Et je vous montre en même temps l'astuce, comment j'ai fait pour aller un petit peu plus vite. J'ai pris mes deux feuilles, je les ai bien positionnées. Et avec mon ciseau pince à ressort, hein, ça évite de me faire mal. À mes mains. Voilà, hein. La poubelle s'est fermée, donc c'est casse-pied. Voilà, hein. Et voilà pour l'instant. Donc, bah, la première partie, bah, elle se termine tout doucement, hein. Là, on a découpé ce qu'il y avait pour les feuilles, vu que je les appelle les feuilles pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de projet déterminé pour l'instant. Comme je vous ai dit, hein, moi, c'est en fonction de ce que je suis en train de faire. On a utilisé quand même pas mal de petites feuilles. Donc, voilà. Là, je vais ensuite mesurer ici de ce qu'il me faut comme papier décor, hein, pour tout, donc pour mes 20 petits morceaux. Donc il me faudra pareil 40 morceaux. Donc là, ça sera 4,5 fois non, non, ne faites pas ça. J'ai fait une bêtise, je dis une bêtise. Donc on se verra pour la prochaine vidéo parce que là, sinon je vais faire une bêtise. Oui, voilà. Il n'y a pas de 4 machins. Je vais m'occuper moi de mes petites feuilles comme ça. Hein. Voilà. De voir comment je fais. Je fais quoi et où surtout. Vous voyez, ça va faire quand même un sacré projet. Un bon projet, je pense que je vais m'éclater. Donc voilà, sur ce, moi je vais continuer un petit peu à avancer toute seule hors caméra et je reprendrai au fur et à mesure les vidéos pour vous montrer, hein, de comment je vais faire tout ça, d'accord. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!